Bien ou bien? Hein, vous avez passé une bonne et une agréable journée, tout va bien dans vos vies de merde. Ouais, j'en peux plus maintenant. Dès 2023, ce sera comme ça, ok? Vous voulez de la transparence? Eh ben, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est 6-4 en vrai, en fait, quoi. Enfin, je suis pas obligé de faire le pauvre hypocrite, là, à m'intéresser à vos vies et tout. Alors que j'en ai rien à f***er, en fait. Non, ma vie, c'est de la merde. Ouais, mais t'as raison, on le sait, de toute façon, Deldragon. Déjà, tu viens trop ici. Déjà, ça en dit long sur ta life, mon gars. En plus, t'as Twitch Prime, t'es même pas sub. Hein, bienvenue à tout le monde. Surtout si c'est la première fois. Ça doit vous faire bizarre un petit peu, non? Vous faire insulter. C'est comme ça que ça se passe sur le campus. Hein. Regardez le nombre de personnes qui parlent dans le chat et qui n'ont même pas le petit chapeau d'étudiant devant eux, quoi. Est-ce que vous avez pas honte un peu de profiter gratuitement du campus de la Salty Academy sans rien payer, bande de petits f***? Vous avez même un ad-bloqueur parce que vous êtes des sous-rats. Vous êtes pire que des rats. Opening now. Stop standing. 15 seconds left. 10 seconds left. 5 seconds left. Why? MCA. It's not a cinder. Why? Why? MCA. It's hard to think now. Remember it. Ah merde, il a pas continué. Yo everybody! Ta gueule, mec. Bruh. Ça trahir de ouf, absolument pas tout le temps. Bah, t'as le don pour faire des bons titres, hein. Ta mère, toi. Non, mais c'est un bon titre. Moi, j'ai pas le don pour faire des bons titres. C'est le pire des titres que j'ai jamais trouvé, celui-là. Bah, ça montre quand ton génie, parce que ça serait le meilleur des titres que j'aurais pu trouver. Ouais, ça c'est clair. Comme quoi, si on avait travaillé dans une espèce de logique où on s'était tous les deux partis dans le même bateau et où on avait chacun joué sur le côté partenaire de la complémentarité des deux personnes que nous sommes, qu'est-ce que ça aurait pu marcher? Ouais, ça aurait et tout ça aurait été possible avec un simple 50-50. C'est fou. En termes de répartition de l'activité et donc des tâches à effectuer, je suis tout à fait d'accord. Je suis pour ce 50-50. Ouais. Ouais. J'y crois pas trop. Mais ta mère, franchement. Non, mais... jamais. À partir du moment où je suis arrivé sur Twitch, tu m'as fait 50-50, t'en auras plus. Tu veux aller sur Twitch? Mais c'est pas vrai! Moi je me casse parce les couilles. Vois, à chaque fois je fais des lancements de live, je serai te monter en haut de cet Everest. Là où il n'y aura pas du tout de crevasse, parce que la crevasse n'est qu'une représentation systématique de l'échec et de l'inconnu. Alors que moi, en tant que maître et guide absolu de porteur de ta mère, la crevasse. Je t'accompagnerai indéfiniment. Oh, ta gueule. Oh, c'est ça qui est génial avec nous. On peut pas se blairer. Quelles sont tes attentes en 2023 pour le jeu? Aucune. J'attends rien du jeu. Tu penses que c'est ta dernière année sur le jeu? Je pense que c'est ta dernière seconde sur le chat si tu continues avec tes questions à la con, Weld. Hein. Mais meurs toi là! Qu'est-ce qu'il a? Combien il a d'HP lui là? Ah mais lui il est con. Je suis caché. Bah non en fait. Mais meurs! Et l'accélération de la souris, sans faire de jeu de mots cette fois-ci, tu l'as ôté ou pas? Non, je savais même pas qu'il y avait ça comme... Tape souris sur Windows. T'as la même chose que moi à l'écran là? Est-ce qu'il y a la case améliorer la précision du pointeur qui est activée? Oui.
je la décoche. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai vraiment pas touché à ce paramètre, par contre. Ouais, c'est un gros problème. Hein. Là, c'est la même chose que si tu venais voir un mec en disant « Monsieur le pilote de Formule 1, j'aimerais commencer et apprendre à conduire. » Pas de problème, monsieur. Et tu sais pas ce que c'est que le frein à main. Là, tu étais en train de conduire avec le frein à main, là. Ah, ok. Non, vraiment, bah là, je n'étais pas au courant de ce truc-là, du coup. Il y a une vidéo qui s'appelle « Surtout désactiver ça ». T'as pas regardé mes vidéos ? Mais pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos que j'ai vues. Ah ouais, mais t'as pas regardé celle-là où c'était en rouge en disant « Désactiver ça !» De merde. Mais c'est une vidéo qui est sortie longtemps, il y a longtemps. Bah ouais, il y a longtemps, parce que ce truc-là, ça existe depuis 1995. Ah non, j'ai pas vu la vidéo. Tu vois pourquoi la fenêtre, elle est si dégueu? Ça, c'est 95. En 95, on avait la même chose. Ou 98, hein, mais c'est la même chose, quoi. Tu peux même pas me parler de sensibilité si t'avais ça d'activer. T'étais obligé de puer la dans le jeu vidéo, là. Là, je viens de t'enlever ton frein à main et tes roulettes en même temps. Ah ouais, donc là, faut reconfigurer tout. Ah ben là, y a rien à reconfigurer, là. Là, il faudrait que je te dise, désactive ça, divise ta sensibilité par deux, on se retrouve dans un mois. Non, mais sérieusement, prends un écran 144 Hz, c'est bon. Franchement, tu vas faire x2 en termes de niveau, hein. Ah bah. Bah, meurs. Amazing, you see, when we talk, we win! Haha! Mais... Si elle réussit la mission, je donne le snap de ma sœur. Ah ouais? On découvre. Va falloir speedrun. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Si elle a plus de 16 ans, moi ça m'intéresse pas. Ça me permettra. Si elle a plus de 16 ans, moi je peux pas. Hop là. Tu vois, faut vraiment l'avoir au bon timing. Je veux relancer ma carrière, donc il me faut une mineure. Ah ouais. Ouais. Bah, je comprends. Bingo. On m'annonce à la radio que la balise a été posée. Avec ce contrôle de leur spawn, il ne reste plus qu'à se défaire du dernier noyau qu'il faut localiser dans le village. Je crois avoir repéré quelque chose. Si seulement j'arrivais à les jouer par la droite, ce serait parfait. On y est presque. Terminé. Mission accomplie. Le match est commencé, certes, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, que du positif. Hello guys, how are you doing? I just joined the game. Vous allez voir, le jeu va me le rendre. Je ne me laisserai pas avoir par le caca qui était sur le trottoir et dans lequel j'ai dérapé. Salut 6. Salut à toi, Bebe 7. Comment ça va, Bebe? Tu as passé une bonne et une agréable journée. Le crosshair placement, toujours important, ainsi qu'un bon spray contrôle. Ne jamais tirer plus de balles que nécessaire, Bebe. On se fait chier là. Non, pardon. On ne s'embête pas du tout, jamais. Car chaque instant nous permet de nous concentrer sur des éléments importants de Rainbow Six. Par exemple, l'écoute. Que se passe-t-il là-bas? Oh, il est mort, mais nous ne l'avons pas entendu, ce qui signifie que Blackbird va rentrer par la fenêtre, je pense, d'après ce qu'on appelle le Game Sense. Eh oui, le Game Sense était là. What? Il est très très fort. Je ne l'avais presque pas vu. Il a effectué ce qu'on appelle un pré-shot. Oh. Il a très bien joué. Peut-être un peu de chance. Peut-être... un peu de chance. Non. Ce n'est pas du cheat. Les plus grands experts seraient absolument unanimes avec moi si je mettais ceci comme clip sur Twitter. C'est peut-être un peu de chance, les amis. En plus, nous étions en quick match. Sur du... Qu'est-ce qui est mort et comment il est mort, lui? Si tu fais 100% de ton temps sur du jeu... Il vient de prendre une pété, lui, il a pas compris. Lui. Excuse-moi. Come with me, come with me.
Finally, last op. One op four remaining. Attends, je suis en train de m'enflammer un peu. Moi, je suis en train de faire l'office de p*** avec eux, là, non? On ne prend pas les têtes là-dessus. Je suis vraiment le pire des fils. Oh, je vais aller en enfer avec ça. Eh, 3 jours viennent de rincer totalement tout ce que j'ai fait pour la communauté. Ah, mettre des suppos dans le cul, mec, qui viennent de commencer. Oh, les pauvres. Nope, 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 nope. Mais tu te la prends pas, c'est un truc de zinzin. Y'a que ta tête qui sort. Ah, en plus, je fais de la... Meryl a un frère. Oh non, attends. Tu sais, il y a dans la vie, les bébés, souvent, c'est beau. Et quand un bébé, c'est moche, tu fais pas d'autres enfants. Et Meryl était très, très moche. Hein. Très, très moche. Quand il est né, il avait un tarin, bah, comme maintenant, quoi. L'espadon, il l'appelait. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton objectif sur le jeu ? De concurrencer à toute cette jeunesse. À me faire plaisir, déjà, avant tout. M'éclater avec les potes. De sortir de cette zone de confort, du gold, plate. Plate émeraude. Émeraude, on va dire. Ok, pourquoi t'es venu me voir ? Sérieusement, pas de second degré. Pas de second degré ? Bah écoute, déjà d'une pour passer du bon temps. Mais c'est pas le but de passer du bon temps avec moi, tu le sais bien, si, tu vas pas si, passer si. Un bon temps si c'est de la... Bah si c'est de la... c'est de la... c'est pas grave, mais... Mais tu vas pas passer un bon moment ! Moi c'est du travail, moi, en vrai, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Ouais, mais là, j'ai déjà assez vu, hein. Ah bon ? Mais ouais ! Je te dis en 3 minutes, quel est ton problème ? C'est quoi ? Vas-y, dis. T'es pas consciencieux, t'as pas réellement envie. T'es la définition d'un joueur casu. Tu vas pas percer, c'est pas possible. Ah, Emo, tu vas pas passer un bon moment. Attends, tu me connais quand même, non? Mais écoute, ouais, mais je te laisse parler. Il faut savoir dissocier l'aspect jeu de certaines personnes qui, du coup, ont outrepassé le simple cadre du jeu. Le jeu n'est plus qu'un prétexte, au final. Moi, j'aime pas la phrase des personnes qui vont, à chaque fois qu'on va leur dire quelque chose, dire « c'est un jeu ». Non, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et le football n'est pas qu'un sport, au final. C'est pas qu'un loisir. Ça peut être bien plus que ça. Pour certains, c'est une vie. Moi, Rainbow Six, ça a changé ma vie. C'est plus un jeu, c'est ma profession. Pour les joueurs professionnels. Je suis d'accord, mais moi, c'est pas ma vie. Enfin, c'est vrai que c'est une drogue. C'est vrai que j'y passe... tout le monde y passe énormément de temps. Le truc, c'est que si t'as vraiment envie de t'améliorer, y a pas besoin de passer une heure. Il faut que tu t'appliques plus, c'est tout. Come with me. Or, one, two, three, let's go. Op 4 eliminated. No, it's not. Friendly not, mission not. Successful. It looks nice. I like this map actually. Compared to Oregon. Yeah. Ok, I can drone. Vas-y, je vais droner, je vais faire que droner. Careful, there is a... one guy, you need to pre-fire here. Thermite. Ping one, ping one. Yeah, nice pre-fire. Again, again. I will kill him. Wait. Yeah, I, okay. I will kill one guy. Malukas, where are you from? France? Oh, nice one. I'm from Lithuania. Lithuania? Yep. Okay. Top 4 last stop standing. Oh shit. Here we go again. Oh fuck. Si seulement je pouvais remonter le temps pour annuler tout ce que j'ai dit ce jour-là. Mais hélas, je sais que c'est impossible. J'espère que tu trouveras la force en toi pour me pardonner. Je sais qu'il n'est pas facile de s'excuser ensuite et de dire que mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je t'en prie, crois-moi, je suis désolé. Mais le mec à qui j'ai dit ça, nique ta mère. Ah! Ah!
il est trop fort. Oh, le génie. Oh, fuck. Allez, vas-y, je sais pas. J'en ai aucune idée. Il est trop fort. Le mec, il part. Victor Hugo. Eh, Baudelaire, le mec. Et à la fin, mais le mec à qui des génies ça, ta mère. Oh, putain. Oh, je chiale. Oh, putain. Allez, c'est vraiment trop fort. Allez, déban. Acceptez la demande. Néanmoins, tu t'excuseras auprès de Foxy, le surveillant. Ok, c'est bon, accepté. Il est sur console. Eh ben, on n'a jamais vu ça. One tap, dans la caméra. À la manette. Arrêtez d'être désagréable. Applaudissez, ok? Oui. Ça s'appelle la chatte. Moi, j'adore la réaction des mecs qui peuvent même pas essayer de faire genre, tu sais, comme dans les films américains, cool, tu vois. Genre, ils se retournent pas. Ouais, bah, il a pas le sens du stream. Moi, je vous aurais dit, je l'ai entendu. Ah, Game Sense, hein, j'aurais rajouté un petit truc, quoi. Là, il se retourne, le mec, il s'est arrêté, quoi. Le jeu s'arrête, il va parler à sa mère. Ouais, t'imagines pas ce que j'ai mis et tout. Je mets mon doigt et ça s'enfonce pas, faut juste que j'appuie un tout petit peu. Si tu mets ton doigt, ça s'enfonce pas. Ah si, ouais, non, si, je mets le poids de mon doigt, bien sûr, ça s'enfonce, mais... Ah. C'est bizarre à dire comme ça. Ah, oui, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on sait si on a un mécanique. En revanche, tu peux te renseigner, regarder la marque de ton machin et regarder si c'est un mécanique. En revanche, là, tu pourras le savoir. Parce que alors, je crois que c'est un membrane. C'est souvent le problème. La première fois. Ah ouais? Changer ta photo de profil. Ouais, j'ai mis Pulse. Et quoi déjà avant? Je sais pas. Ah oui, un gars avec des lunettes. Avec trois yeux. Un gars avec des lunettes, avec trois yeux. Ah non, pas trois yeux, mais... Avec une lunette. Il avait trois... des yeux verts. Une lunette. Ouais, voilà. Enfin, une lunette nocturne, je crois. Et un tu gars sais pas qui c'est. Je pense que ça doit être un agent sur R6, mais je sais plus comment il s'appelle. Bah, je suis con. Mm-hmm. C'est Jackal ? Oui, c'est Jackal. Le fameux Jackal de Splinter Cell. Ah, ok. Bon, bah, j'ai rien dit alors. Bon, arrête, il ressemble un peu. Il n'y a pas un skin sur lui qui ressemble ? Non, il y en a un sur zéro puisque c'est Sam Fisher. Le mec avec les trois Night Vision là. Ah, oui, ouais. C'est Sam Fisher dans le jeu qui s'appelle Splinter Cell. Et l'opérateur 0, c'est Sam Fisher de Splinter Cell. Quoi déjà Splinter Cell ? Ouais, allez. Oh, sorry, bro. Move to Thunderbird. Move to Thunderbird. Move to this. Yeah, but okay. Qu'est-ce que... What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est là? Y'a Casper là! C'était quoi le chargeur là en l'air? C'est quoi le truc Dominique de Coco déjà? Attends. Inglorious Bastard. Putain, je me disais Ed de Coco. Dominique de Coco. J'aime bien les refs des pseudos. Yeah, from hi everybody around here. I think I'm the one with the best Italian accent. Arrivederci. 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 J'y vais. Mais prends des balles. Prends des balles. Mais attends, mais hey mec, tu t'es pris pour qui? Regarde. L'autre il marche dans le feu. Et tu t'es pris pour Daenerys là ou
comment ça se passe? L'autre, I'm gonna walk in the fire. Bah, je suis un fakir. Pourquoi tu martyrises un enfant? Parce que c'est jouissif. Moi qui n'ai pas d'enfant ennemi, pouvoir martyriser un mioche, c'est le seul truc qui me manque, tu vois. D'ailleurs, c'est le seul truc pour lequel j'aimerais avoir un enfant. Pour le martyriser. Pour le faire chier. Meilleur en spawn qu'il a faire tout le temps. Ah, ça ira sur la chaîne par exemple. Voilà, un spawn kill gratos, l'hélicado, celui-là, faites-le tout le temps, ça passe tout le temps. Tu casses à gauche, tu pètes la vitre, du coup il voit rien avec la vitre qui est cassée. Terminé. Hein. Abonne-toi à la chaîne. Et abonne ta mère aussi. Hein. C'est vous qui faites les présentations, c'est vous qui faites tout. Oh là là, allez, là je me lance. Allez. Bonsoir à la Solti Academy. Ouais, fais rapide. Hein. Enfin, Alain de Marseille, 30 ans. Okay. Et on va tout casser. Vous pouvez le voir, proviseur, hein, 20% de skill en plus grâce au charme Academy. Ça, c'est vraiment bien de le rappeler. Et après, il y a qui du coup? Nano, vas-y, parle. Alors, moi, c'est Stéphane, j'ai 30 ans. Je suis le bon Suisse par excellence. Hein, beau, riche, pas de problème. Quoi. Ok. Baggy, du coup, vas-y, dis-nous tout. Non. Ok, ça marche. Allez, Le Guise, du coup, suivant. Bah, Le Guise, hein, 45 piges, un des plus vieux, je pense, hein, avec mes deux autres collègues. 45 déjà? Eh ouais. AMO, c'est bon, non, AMO, vas-y, Feld, vas-y, présente-toi en deux secondes. En deux secondes, bah, AMO, Bretagne, 52 ans. C'est moi le plus vieux, voilà. Ah, voilà, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions pour les héros avant qu'on y aille? Je vais me présenter quand même. Vas-y, vas-y, poulet. Donc, moi, c'est Baggy S. Salam, Jérôme, 46 ans. J'ai une petite particularité que vous allez entendre sur différents calls. Ouais, parce que si on joue ensemble, il risque de vous faire des calls du genre bip, 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 bip. Vous allez croire que c'est en B et c'est bip, billard, en fait. Et là, ça va être compliqué. Ah, donc voilà. Néanmoins, on est là pour passer un bon moment, mais surtout à vos dépens. On a quand même le bon début d'une bonne blague, quand même, là. Entre un Suisse, un Marseillais, un Breton qui rentre dans un bar, quoi. Un Beg et un Breton qui rentre dans un bar, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas fait la présentation du sixième, parce qu'il y a un sixième. Il est là, le sixième. Il est dans le chat, je crois. J'ai vu son pseudo apparaître tout à l'heure. Ramène tes fesses, Zago. Oui, tu peux venir, Zago. Tiens, là. Bonsoir. Yo, Zago. Ouais, alors je vais me présenter, je m'appelle Zago et je suis là pour remplacer s'il y en a un qui claque. Eh ben voilà, c'est... On claquera pas. Merci Chou. Zago d'être passé, merci poulet, ciao. Je me suis pas inspiré d'un gars pour le coup. Par contre, il y a des settings que j'ai regardé, dont ceux d'Aeris, qui expliquaient, tu sais, les settings via Windows, là, tu sais, avec le multiplicateur de sensibilité, tout ça que j'ai modifié. Mais hormis ça, après, la sensi, je l'ai fait vraiment avec le temps, quoi. Et donc, du coup, tu t'es dit, je vais aller voir les conseils d'Aeris. Bah, pas que. J'ai regardé les tiens aussi. Ah. Enfin, parce que bon, je regarde quand même pas mal de tes vidéos là depuis quelques temps. Mais ouais, après, voilà, j'ai regardé les conseils. Enfin, j'ai écouté les conseils. Et puis après, petit à petit, avec le temps, j'ai réglé un peu à ma sauce, quoi. Combien de DPI? 800. 800 en 68, oui. 68. Ouais, après, il y a le multiplicateur hein, que j'ai modifié. Hein. Pourquoi t'as modifié le multiplicateur? Comme je disais, la vidéo d'Aeris expliquait que ça te permettait. Aeris. Non, il disait que ça permettait de régler merde avec... On est tous à peu près d'accord de dire que Aeris, ça fait 6 ans, il dit des conneries, ok? Il va falloir c'est qu'on lui pas dise. Vrai, moment, je te il... crois non, pas. Non, il y a un c'est moment, il y a une tu raison pour bien. Laquelle il est devenu développeur de jeux vidéo. Il a même pas gagné une GoFor, je suis sûr. Il a gagné une ranked et c'était en 2016. Et voilà comment on lance des dramas dans la cave. Voilà, exactement. Achetez Beautiful Light, n'oubliez pas. Et du coup, j'ai pas remarqué, mais il y a que Alro et Nano à qui reste des cheveux quand même. En bas. Ah bah ouais, regarde ça. Nom de Dieu, les gars. Là, le front qui pousse, c'est mort. Là, c'est fini, mon gars. Non, j'ai toujours eu ça comme démarcation. Oui, c'est tout ce qu'on s'est dit, nous aussi. Ouais, moi aussi, ouais, c'est pas grave. Ouais. L'autre window construit, elle est rentrée cache. Pas besoin de la jouer. Hein. Cheveux le câble. Et l'autre au niveau du window. Quoi t'en attends, s'il te plaît. Je suis dans la bas-fond. Last window construit. Elle va non, pas l'idée, laisse-le, il fait perdre du temps tout seul. Je suis la window master. Ok.
il a la window. Viens en recul, viens en recul Akuma. Bon, moi je reste derrière maintenant. Moi je me fais pas chier. Entrée serveur. Va rentrer. Il va te la mettre Akuma là, il y a une fenêtre et tout, fais attention. Serveur, viens avec moi. Laisse le rentrer sur site, même s'il plante, on s'en fout. Le master il push, je pense. Ah, il m'a déchiré, il te push. Ouf. Dommage. Ah, je t'ai venir avec moi. Je les gars. Oulala. Là là. Qu'est-ce que c'est que ce crosshair? Mais. Ah, j'ai envie. Oh putain. Ah, je sais pas qui c'est, j'ai envie de le niquer. Lui, direct. Alors, j'ai envie de le niquer. Oui, il y avait un Jäger devant le truc. Oh là là. Oh là 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 là. Mais y'a rien! Y'a rien, frère, qui va se déplacer en bas là, ton crosshair placement! Mais mec, c'est pas Ratatouille qui va te décaler, enculé! Vas-y donc! Non, non, non! Yes! Bravo! Un gadget! Un partout. Mais c'est quoi ces mecs là? C'est des membres du staff. C'est les membres du staff, c'est pas possible. Non mais moi je peux pas faire preuve de bienveillance et dire bravo Jean-Claude. Je peux pas, venez pas les gars sur le live, je vais... Oh, je peux pas faire preuve de bienveillance. Je vais vous le dire que vous puez du zboub les mecs, franchement. Mais toutes ces décales, elles sentent le fromage. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça plante. Et ça plante. Mais fais quelque chose. Mais il est mort, il a une syncope. Ah, il bouge. Arrête, j'ai 202. J'ai 202. Bah pas de QI déjà, ça c'est... Ça on en est à peu près sûr, j'ai 202. Non, arrête. Arrête. J'ai 202. Minecraft, joue à Minecraft. Franchement frère, Minecraft c'est bien. Minecraft c'est bien. Il sait pas ce qu'il regarde. Hein. Ça se trouve il y a rien, ça se trouve c'est... Drone enculé. T'as un drone. Drone. Et il nous le refait dans l'autre sens et tout. Mais c'est pas possible des gens comme ça. Mais c'est quoi ce crosshair placement au niveau de la motoneige? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, Preshot, t'as raison, tac-attac, fais des maracas, enculé. Bah voilà, t'es tout seul, 1v4. Bien joué. Le level 27 après, tranquille. J'en ai rien à brûler, ok? J'en ai rien à brûler, quand on vient ici, c'est pour s'en prendre plein la gueule, ok? C'est le concept, c'est la Salty Academy. Ok? C'est pas l'Académie Salty. D'abord, c'est Salty. Et puis après, Académie, bon bah, si. Voilà quoi. S'il en reste. Il est en dessous, il est en dessous la CCTV. Il est en dessous mon drone, les gars. Non, il est catwalk, catwalk. Il est catwalk. Vigile, je le vois. Je le vois, les gars. Faites-moi confiance. Il est catwalk. Il est là. Il est rentré surveillance. Il a la rota qu'il a fait. Allez. Les vigiles. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait la gars, je suis tout seul. Il y avait la solution du drone. Drone. Attends, drone bar. Nano, viens en bas. T'es où, AMO? AMO, je suis CCTV. Je suis tout seul. Écoute, je drone cache. Je le vois, ok? Je le vois. Il est devant moi. Il est là. Il est pas catwalk. Il est là. Chambre, c'est clear. Ok. Allez. Chambre, c'est clear. Ah.
30 secondes. Il reste un drone. Le drone est neutralisé. Il va te faire une zizou, tu le sais. Tu le sais, Hélène. Beaucoup de dégâts pris par l'Ikefak. Il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Non ! Oh, il est trop fort ! Le pick advantage sur cette petite Delcale qui était quand même extrêmement parfaite. L'Ikefak, des joueurs BDS professionnels très très forts. Chapeau de sa part. Donc avec le Guise qui nous envoie un truc du genre... Passer au chirurgien esthétique pour me rajeunir comme Madonna. N'oubliez pas demain 19h sur la chaîne à 6-4. Demain c'est première victoire, c'est sûr. Loulou Cooper. D'accord, donc avec ça je peux me faire ban. J'en peux plus, c'est fou, il me Guise. Hein. Dirait le gars qui fait la pub du Willy Warrior 2006, tu peux éplucher des patates. Elle me fume la vidéo. C'est, normalement c'est un truc professionnel, c'est pour la Alors, production. On s'est trompé, on croyait que c'était notre groupe, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. Avec un message de type « Heureusement qu'on peut compter sur Six pour pas la foutre sur Twitter », tu le prends pour un juste en dessous quand même. En vrai, je crois que le proviseur ne peut plus nous voir en peinture. À ce point, en peinture. Déjà, nano. J'ai écrit peinture au lieu de peinture. Il en reste un, pique pas, Louis, pique pas. Non, il était un, c'est Flores, fais gaffe. Faut venir m'aider, T1, c'est le dernier. T'es tout seul, t'es tout seul, gros. Ah, je suis tout seul. Ah ouais. Bien joué, joué ça, les gars. Bien joué. Touché, Sledge, touché. Il y en a un qui est escapière. Il y en a un qui est qui va descendre escapière. Il a vas-y tout touché. Putain, je peux plus tenir les. Il est mort. Sa drone aussi, non. Il va me chercher, moi, mais. Il est mort de rire, ouais. C'est sur toi que sa drone, la guise. Allez, Alro, smart, terminé. Oui. Te donne pas. Ouais, GG. Et on avance. Et là, ça va être ridicule. C4, pas C4, vas-y que je te C4, mais je te C4 pas trop. Eh, tu le veux pas, je te le donne, je te le mets pas. Non, 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 dit-il. Et ça lui montre son c. Le C4, l'amorti. Ouh, il a fait énormément de dégâts. 50% de dégâts. Et là, ça risque de durer pendant 17 heures, pendant que Matarox est en train de jouer du pole dance. Zéro pré-shot de la part de Matarox qui se retourne. Et derrière, forcément, on essaie de prendre un angle. On veut pas s'approcher du montagne. Ça peut durer 107 ans. Et après, dans 5 secondes, il n'y aura plus le droit de sortir de cette zone. Oh ! Le drop shot. Hipfire pour terminer ce salty duel. Quel fils de p***, quel gamin. OMG. OMG. Si je meurs dans les 10 secondes, demain je peux recommander un clavier. j'ai perdu mon drone. Ouais. Prédiction, va-t-il péter son clavier? Suis-moi, il est là à gauche. La poste, c'est une fausse alibi longe, devant la porte longe. Et là, elle est partie garage. Lounge. Elle est partie. Lounge. C'est lounge. Lounge. Non. Lounge. 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 Oui, ou lounge, Steven. Lounge. Et pas longe, longe, c'est en bas. Il va y avoir du bungee trick, les gars. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il va y avoir du bungee trick, ok. Et j'en fais pareil. Ouais, non, mais. Oh, j'ai mis click, buggy. Excuse-moi. Bah, viens essayer quand même. Encore 3 marches, hein. Ok, longe chez clear et les 3 marches chez clear. Allez, vige, allez, longe. Je crois qu'il va y avoir quelqu'un. Vas-y, Lounge. T'es prêt? Vas-y. Le Guise, elle pique sur toi, le Guise, elle est longe. Elle est au ping, elle est exactement au ping. C'est bon. Voilà, c'est ouvert, c'est ouvert. Zami au top sur ping 3. Attends le Guise. Sur 4 volts. Je rentre. Non, j'en peux plus. Pas shoot à droite. Bien joué, c'est ça, les gars. Non, je me donne. Chut. Ah putain. Il avait la vie sur moi de serveur. Allez, go. En cache. T'es solo, Baggy, t'es solo. Ouais, c'est ma faute, je me suis donné, vraiment.
Oh là là. Oh là là. Ouais. Non. 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 Bah non. Ouais. Non. 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 Non, non. Ah, il abandonne. Ah, y a le mur en face, le guise. Comment ça peut marcher? Y a un mur. Si tu montes, tu montes et tu redescends. Aïe 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 aïe. Alro, ça doit être à la fenêtre boudoir, à mon avis. Ouais, mais j'ai besoin que tu restes en bas des escarres rouges. GG à Emo. Train. Non, putain. Couloir boudoir. C'est rentré. Sur toi, le guise. Elle va poser à côté de la bombe, à côté de Fridge. Bien joué, le guise. Il est au sur pin 3. Ah, c'est trop easeless que je fais, putain. Derrière la bombe, il va. Alro, il le fait. Easy. Alro, il est trop fort. Vas-y. Il plante. Oh là ouais, là. Bien joué, ça. Alro. Oh là, t'es un monstre, Alro. Oh là là, Alro. Inscris-toi là, Louvar, hein, sérieux. Alors, les teachers, dis qu'on t'aime dans hein. Ouais, grave. Hein, oh, c'est le retour c'est les gens, de... c'est le stream ouais, à la carte. Genre, à quelle heure, s'il vous plaît hein. Parce que ce que vous faites à l'heure actuelle, j'en ai strictement rien à b***er. Je trouve que c'est plutôt de la merde. Moi, d'ailleurs, je veux que vous fassiez des trucs qui j'aimerais m'intéressent. Juste, voilà, exactement. Je vais revenir à 19h00. Vous avez intérêt d'avoir lancé, d'ailleurs. Et sans pub, en... Parce que la dernière fois que je suis venu, et je payais pas, mais je trouvais ça insupportable d'avoir 3 pubs de 3 secondes. Alors que moi déjà que je peux pas payer tout le monde en sub parce que j'ai déjà donné à un mec qui a déjà 16 000 subs. Alors vous comprenez bien que... hein. C'est exactement ça. Non je peux pas, j'ai lâché mon prime à l'Oclear. Ah ouais ok d'accord, ok. Salty mais pas que, allô on est aussi des fils de pute. Oui bien sûr je peux venir. Bonjour papa, c'est quand que tu rentres? Mais qu'est-ce que tu racontes Moha là? Prends un sub. On en deux d'ailleurs s'il te plaît. Ouais va en prendre un chez Mary aussi, bande de radins là. C'est vrai vous êtes des rats, hein. Ouais, j'ai jamais vu un tas de rats comme ça. Moi. Seul on a vu sur ce push de la très grande efficacité du côté d'Escadi Sport, 20 petites secondes. C'est tout ce qu'il reste à la défense pour aller chercher le désamorceur. Un DBONO qui arrivera au niveau de Sinji, peut-être la domination validée. Scarf pour aller finir le travail au niveau de Heaven et c'est fait pour la triple. D'ailleurs c'est la vie qu'on aurait pu avoir justement. Et on va pouvoir l'avoir loté pour Fire. Justement, et la plante qui devrait être. Non, il va rester une minute de jeu par contre. Côté Yonzi, ça tensionne pas trop. À la volée, il ne reste pas plus que Tia qui va devoir. Et bien, dans cette situation, Vitek qui allait chercher et s'imposer. Sur Rix Fire, lui aussi dans son compte, il va aller prendre quelques balles. Deux duels qui sont complètement amorcés. Jeunesse qui a moins fonctionné au niveau de ce setup. Après, on est en train de se mettre en place. On attend. Oh, on a vu le petit Pixel qui est passé. Mais pourquoi Agpi qui sort. On va lui sauter dessus directement le culot de cette Nog. On ne s'attendait pas à ça pour ce Wamad. Qui va attendre d'avoir aussi des informations au niveau de cette Nog. Even pour aller chercher le fight face à Jelly à 3 versus 3. 15 petites secondes, on a plus le temps, on est blanc. Ça va être très compliqué d'aller avancer. CJ pour aller chercher le fight face à Tio, mais en même temps, on va essayer d'aller avancer. Oh, c'est très bon. Agpi. Couler comme ça, c'est dommage. On va aller bien procéder quand même pas mal de stuff et on va avoir vu des NS qui sont encore valables. On va se faire racheter une conduite puisque tout simplement cette deuxième tête elle va pouvoir être décalée. Ah, tiré torpé avec le coup posé Z8, on essaye d'aller t'en poser un petit peu. Mais carrément partir à l'assaut de. Point encore une fois, Yuntis continue dans le travail réalisé. D'ailleurs, peut-être dans cette entrée, c'est trop. Zéro pour aller. L'objectif pour aller tenir la pression, mais en même temps, cette ligne est longue. On arrive à aller sanctionner la triple élimination du côté d'Agri. Attention, Natsukashi seul. Natsukashi n'a qu'un seul petit PV. On est obligé d'aller planter. Quelle reprise d'initiative. Est-ce qu'on y va? On va peut-être courir. Allez, peut-être le clutch de Kamigou. Va-t-il le mettre? Agpi va remporter le round. Encore une fois, il sanctionne les écarts de conduite que Nog fait si. Oh. 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 Je vais droner. Touche du drone. Non, je surprends. Ah, ça m'énerve les gens qui dronent pendant 3 heures comme ça. Voilà. Ah.
Ah, je t'ai pas entendu monter à l'échelle. Fais voir tes écrans, tout de suite là, maintenant, mais maintenant. Quoi, mais... Vite, fais voir les deux écrans. Mais il y a les deux là. Fais voir le téléphone portable. Le téléphone portable il est à gauche. Où ça? Bah là. Fais fait... voir. Non. Fais le voir à l'écran là, qu'on le voit. Je le déverrouille, regarde, je le déverrouille. Non, ça le touche pas. Mais y'a rien, j'ai juste déverrouillé. Fais voir. Y a rien. Fais voir quoi? Le téléphone portable. Mais il est mon... Mais il était quoi? Pardon. Hé hey. Pardon. Vas-y, tu peux jouer. Je triche pas. Ouais, je sais pas. Pourquoi tu montes à l'échelle là? Bah, pour les buter, tiens. Mais comment tu sais qu'il est au top? Je le vois passer, j'entends plus de bruit. J'entends qu'il se rapproche de moi, mais je le vois pas. Quand je le push au niveau de là, j'entends que son drone il me drop. Donc, du coup, si j'entends ça qu'en pushant, je le vois pas. Le seul endroit où est-ce qu'il peut être, c'est les monter à l'échelle. Guess us. Le petit cul. Je suis pas si cul que ça. Ok. J'ai appris qu'on pouvait marcher il y a pas longtemps. Hein, donc Ah ouais, mais on en est là aussi. Tu joues jamais au jeu, il va rien se passer. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que vu que je venais de console, on me disait, mais marche. Et puis je disais, ouais, mais je marche là, tu vois. Puis du coup, moi, je pensais que c'était en appuyant la touche plus lentement que tu pouvais marcher. Sauf que ça marchait pas. Et après, on m'a dit, non, mais c'est la touche Alt. Et là, j'étais. Puis là, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, d'accord. Parce que tu sais, sur console, c'est avec le joystick. C'est vis-à-vis de comment tu règles la sensibilité de ton joystick. Moi j'ai un concept à proposer. Faut que nous, les meilleurs de la Yungtis, on booste skills jusqu'au champion. Tu vois, ça peut être bien vu qu'ils jouent quand on est ranké, ils jouent contre des noobs, c'est facile d'être fort. Mais faut le voir qu'on est des vrais champions. Mais vos mères les gars. Attends, mais tu pourrais avoir le champion. Ok, mais combien de fois t'as live dans ta vie toi? Jaya, tu live, t'as 32k là, machin, t'as déjà live? Ah oui. Ok, combien de fois tu t'es fait streamhack? Ah ouais, beaucoup, parce que un champion. Ok. Bon bah alors qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Mais c'est pas grave, ils sont nuls maintenant, même si streamhack, ils s'en foutent. Non mais t'es ouf. Mais les gars, vous avez toujours pas compris les gars. Il faut que vous vous rappeliez un truc qui est extrêmement important, ok? 100% des personnes qui jouent avec un streamer jouent en dessous de leur niveau habituel. En dessous. 100% des personnes qui tombent contre un streamer, c'est leur jour de gloire, ils vont forcément surperformer. T'as peur de pas être au niveau ou quoi? Quoi? Bien sûr. Bien sûr. Ta mère toi. Ta mère. Et voilà. La fin est proche. Les gars, c'est... On m'a dit qu'il ne reste qu'une petite poche de résistance dans la base ennemie et il nous reste 180 drones. Est-ce qu'on arrive à les dégager vite? Parce que sinon, on va niquer sur le temps. Là. C'est quoi le shield là? C'est un mec à nous? Le shield c'est pas à nous et derrière il y a un tireur. Vas-y, on y va. 60 secondes. C'est maintenant ou jamais. Les gars, faites gaffe, il y en a un juste à l'intérieur. Allez, ils sont prêts au piège, faut push. Allez, c'est bien le fort, il va bien. J'en ai une autre. Attends, j'ai juste. Les gars, on est en train de perdre du temps là. Y'a quoi? Let's go, faut se bouger. Tape dedans à chasser, mais je sais pas s'il y a du monde derrière. Fais gaffe à toi. Faut y aller, ils sont pris au piège. 30 secondes, y'a plus le temps, faut qu'on entre. Vous êtes prêts? On y va à 3, ok? Allez, on s'en fout là. 3, 2, 1, go! Ouf! Terminé. C'était moi une. Il parle plus. Vous êtes muté ou? Non. Ah ouais, d'accord. N'hésitez pas, hein. Parlez. Non, ok, c'est le T1, ça vient de défoncer le T1 encore. Bravo. Tu vas où, Nano, là? Je te mets un... Ouais, mais tu te barres, mais ils sont en train de faire, je crois que tu te barres. Ils voient que tu te barres, ils attendent. Non. Si, bah si, ils sont en train de faire. Ok, j'y vais, c'est bon, je suis là. Ok, mort. Nice. Ok, mort. Ouais, c'est un peu chiant. J'en ai un fontaine. Là, il va être trop content. Regardez la fierté. Ok, mort de nouveau. T'as eu qui? Ça va arriver 90. Non, j'ai eu IQ, je crois. Ça m'a droné. Regarde dans le Nighty, Alro. Y'a plus personne sur douane. Ah, hein. Les moves. J'y vais. Oh là, j'adore. Tes pixels. Ces mécaniques sont incroyables. Il va remettre un travers. Mets-toi je plutôt vers la carré. J'ai okay. Une ligne. Ça marche. Oh. C'est où, Nano? C'est armurerie. C'est rentré armurerie. Ouais. Regardez, il va prêter de la queue. Regardez bien. GG, Nano. Ça peut dropper à la trappe ou pas? Il est fier. Il bombe le torse. Non, oui. On dirait un labrador.
Je crois qu'il y en a un autre. Oui, oui, oui. Donc IB, elle était longue. Ok, mort. Il y a le truc en haut à droite. Ok, mort. Ouais, bah on a la kill feed, fils de b. Office. Faut que je coupe la VOD parce qu'après ils vont la regarder. Ça drone aussi. Je remonte jusqu'à métal. Je suis mort. Il va clip les dingueries. Je l'ai eu. Oh là là. C'est un monstre. Bon boulot, les gars. Le LAS est un roomer. Arrête de critiquer. Ça va partir sur Twitter. Ah ouais, mais ça se voit que c'est fait en 5 minutes, hein, parce que ça pue bien la merde quand même. Hein. Et du coup, le Melody, on en mettrait un SK cheminée, un. Oui, dis-le-moi à l'oral. Un SK cheminée, un à la porte Kabavin qui donne sur couloir chaudière et blue. Ah oui, je vois bien. Ah bah, c'est une bonne strat ça. Si tu m'avais dit deux dans le bleu, j'aurais dit pas bon. Mais alors là, maintenant que tu me dis un dans le bleu, là, ça, c'est clairement une bonne strat. Hein. Oh bah oui, hein, là, ça passe pas. Hein. J'ai deux sans Gunther. Ah, t'as rien retenu de ce que je t'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc, sérieux? Avec beaucoup de bienveillance, ce que t'as fait, c'est de la merde. Hein? Ah oui. À l'heure actuelle, la bonne façon de faire des strats, c'est de regarder des personnes qui font des strats mieux que toi et de comprendre. Et dans Rainbow Six, vu que ça se joue au détail, il y a un pourquoi pour tout. Pourquoi il est placé là? Pourquoi le fil barbelé est là? Si on veut rentrer réellement dans ce que t'as fait. Donc je suis sérieux. Bon, il y a les murs garage. Vous êtes sur une défense en bas. Très bien, ok. Mets un mute au niveau du mur fridge. Le mute de droite, tu vas empêcher les personnes de pouvoir ouvrir ce mur. Bon, la problématique là-dedans, du coup, si on se consacre juste à cette partie sur le côté rouge, là, qu'est-ce qui va se passer si t'es en attaque? Parce que toi, tu t'es en défense et tu vois ta stratégie en défense. Mais qu'est-ce qui se passe si t'es en attaque en face de ça, en fait? Quelle est la strat d'attaque globale que tu vas rencontrer si tu tombes à cet endroit-là? Quel est le scénario que tu vas être le plus susceptible de revoir? Rainbow Six, c'est un scénario, hein. C'est souvent pareil, hein. On les prépare pas en se disant « Ouais, c'est pas mal, ça ». Non, il faut faire preuve d'empathie. Il faut se mettre à la place des attaquants en se disant « Et si j'étais un attaquant, qu'est-ce que je ferais ?» Déjà, il va droner. Mais de façon plus générale, là, tu rentres dans des détails. Ça, c'est de la micro, ce que tu fais. Il veut prendre quoi? Il va aller où? Lui, il veut prendre la... Il veut rentrer Kabavin. Il va essayer d'ouvrir. Il va ouvrir quoi? C'est quoi le truc que je veux t'entendre dire? Bah, en attaque, tu drones. Oui, mais ça, c'est ce que les gens font mal quand je leur demande de faire des stratégies d'attaque. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Imaginons. Mais la question, elle est simple. Où est-ce que tu commences si je ne te donne pas de règles pour être absolument sûr que le singe bouffera la banane? Tu pars de la banane? Bah ouais, tu pars de la banane. Ça, là, hein, c'est ton diffuse. Ça, dans un projet, on appellerait ça faire un rétro-planning. On part de la fin. Et à la fin, tu trouves dans Rainbow Six ton spawn. Et surtout pas dans l'autre sens. En te disant, et pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Ok, c'est parti. On va taper dans le vif du sujet du matos, là. T'as quoi comme souris? Une G502 Hero. Ok. T'as quoi comme clavier? K55 RGB Pro de Corsair. Ok. T'as quoi comme écran en Hertz? 144. Le tapis de souris? Premier prix chez Amazon, un XL, oui, que bon, j'ai ça, coupé et il est à la verticale. Attends, reviens sur le dernier... Comment ça, il est à la verticale? Faut que je montre. Oui, oui, oui. Il est comme ça. Mathéo, est-ce que tu as pris de la drogue avant de venir nous voir? Aïe, 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 aïe. Mathéo. Bon, est-ce que tu veux bien pour moi le remettre déjà à l'horizontale? Et le ping, t'as combien? J'ai 19. Ah, bah ça va, Dunkerque, t'es fibré ou quoi? Oui. Ah bah bravo. Orange. Oh, connais-tu toutes les maps par cœur? Non. Pas les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? C'est celle avec le terrain d'entraînement. Il y avait un mode de jeu. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je sais pas comment elle s'appelle. Stadium. D'accord. Et le château aussi. Il va falloir que t'apprennes les noms des maps quand même. Hein. On va pas y arriver autrement. Hein. C'est quoi ton objectif? De m'améliorer. Bah c'est bon. Ah bah c'est bon, j'ai rempli mon... Je t'ai fait tourner ton tapis de souris. Ah bah là je pense qu'on est bon. C'est bon. Ça c'est pas un objectif. Ça c'est un objectif tout caca ça. N'oubliez pas de vous abonner là. Bande de petits... Oui, abonnez-vous. Les gars, voulez nous faire plaisir, abonnez-vous à 6-4 et Mary. Vous voulez nous faire plaisir, bah donnez-nous. Non, mais oubliez, s'il vous plaît, oubliez les autres streamers. On est des mendiants. On a besoin de votre thune. On a besoin de survivre. On a besoin de pouvoir se payer des cartes graphiques. Non, mais au-delà des cartes graphiques, on a besoin, en fait, de vous. Vraiment, on est des mendiants. Vous vous rendez compte, quand même, que Mary a une meilleure carte graphique que la mienne? Merci pour les 20 euros, poulet, t'as un monstre. Une meilleure. Et Coco Shibo, merci, t'as un monstre, poulet. Envoyez plein de GG pour Nano, s'il vous plaît. Envoyez plein de GG. Arrête de te faire ça, d'accord? Arrête de venir faire de la mendicité et de dire mais moi et tout. Ça m'énerve. Samuel Etienne, il a dit que c'était du mérite, ok? Ouais, c'est vrai. C'est du mérite.
mérite. Ouais, tu peux vraiment venir délocaliser ici. Cette trappe, elle est horrible. Hein. Vraiment. C'est sur cette... Du coup, on a cassé la trappe. D'accord. Ouais, dans le yellow, il y a Brava dans le yellow. Donc là, elle recule, elle smoke. Elle est dans le top du yellow maintenant. Ouais, mais elle est dans le... Grande des... Nope. Main visa. Je reviens sur site. Ah ouais, sur mon ping, il y a H. Oh, j'ai un shotgun. Oh, bah je me suis fait. Fais gaffe à ta gauche, Mary. Fais gaffe à ta gauche, Mary. Mary, ta gauche. Ah putain, ouais, mais. Ouais. Il est venu de ma droite. Ils sont deux là-bas. Ils sont deux. Sur mon ping, poulet. Il y en a pas F devant T1. Regardez les cams, please. Faut que tu pètes le drone, faut que tu pètes le drone. Qui va arriver vers là, je pense. Ouais, il tient une ligne sur moi. Prends la ligne sur moi, prends la ligne sur moi qui me déborde pas. Ah, elle est rentrée. Ouais, elle est rentrée. Ok, sur mon ping, sur mon ping. Merde. Pourquoi ça a pas ping là? Je vois le terrain encore. Il a pris une balle, le dernier, il y en a deux au sol, deux au sol, deux au sol. Lol. Ouf. Là, c'est la. Le shotgun, mais qu'est-ce que c'est que ce shotgun? Lounge. Lounge. Okay, alibi, je crois, les gars. Lounge. Non, c'est Mélusie, elle a fait un punch wall. Elle a fait un punch wall sur le ping 5. T'es free kill. Elle est en train d'aller sur ses drones. Ping 5. Vous rentrez stock, il l'a défoncé. Tu peux péter le TN, non? Trop tard. Vas-y. Trop tard. Je drone. Attends, je drone. Je comprends pas que vous alliez pas la jouer. On a l'info, ça fait 50 fois. Vous montez, vous passez pas stock. Non, on va finir, les gars. Désolé. On est tous en train de droner. On a une info sur un mec. Faut le. Elle est morte, Alibi. Elle est morte. Elle est morte. C'est Mélusie aussi qui traîne en bas. Elle est morte. J'arrive à lui qui se prend le T2. Nano, faut que tu fasses la trappe bureau, gros. Ok, mort. Pardon, excuse-moi, j'étais en plein gunfight. Ouais, c'est rien, t'inquiète, mais tu peux faire la trappe bureau. Gunfight, qu'est-ce qu'il fait? Fais gaffe à la trappe. Il est perdu. J'y vais. Il vient de partir. Escamaine. C'est quoi le but des héros de l'EPAP? C'est qu'on les emmener en tournoi. T'es ouf ou quoi? Je les emmène en tournoi, il y en a trois qui claquent d'un AVC. Ouais, mais. Il y a un gars Escamaine. J'ai pas besoin de. Tu peux le ping. Il est au ping 1, exact. J'ai la remontée Escamaine. Non, c'est pas ça. Allez, je vais. Je l'ai mis à terre, je crois, non? Hein? Je crois que je l'ai mis à terre, je suis pas sûr. Oh là là! Mort, Escamaine! NS! Du coup, il est clear? Allez, il faut droner pour le dernier là. Ouais. Je drone pour vous! Je drone pour Escamaine, il est clear? Je drone pour vous! Douche! Ok, douche. J'ouvre le mur douche. Oh putain, il m'a eu! J'ouvre le mur douche. Attendez, je vais balancer des lignes. Ah ouais. Toujours dans la bouche. Mais attendez, bordel! Putain, mais c'est. Les gars, vous avez l'info d'attendre, attendez! L'exécution. Tu marches dans le wire, non en fait. Toujours dans la douche. Non. Toujours dans la douche. Non. Il est master. Pas encore un drone, mais c'est chaud. Bruh. Eh oui, ouais. Tiens. Il est master. Oh, on est trop. Je suis trop con. Je suis désolé. Non, j'ai rushé comme un débile. Ouais. Eh doucement, oh la 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 Eh ben voilà, tu resteras casters Ironcast, hein. Enlève-moi ce G2, G2 de QI, ouais. Bon, écoutez, vous avez mis combien? De toute façon, je m'en fous de votre avis. Vous avez mis 1, ok, bon, j'ai mis moins 5, ok? C'est-à-dire que là, c'est le condensé de tout ce qu'il faut pas faire sur Rainbow Six, d'accord? Il a pris un gros moins 5 dans sa gueule. Même. Il y a un viewer qui se fout de la gueule de tes 2 kills Fuse. Guise, qu'est-ce que je lui dis? Bah, tu l'en as jamais fait. Ouais, wow, c'est quoi cette répartie, le Guise? T'as pas un truc un peu plus insultant? Allez, le Guise, lâche-toi un peu. Allez, il se fait enculer.
Ah ouais, bah c'est tech les gars. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Hein. Je savais qu'il y avait et une merde. Et ça c'est un père indigne. Comment oses-tu parler à tes enfants, le Guise? Oh là là, je trouve ça inadmissible cette malveillance. C'est parce qu'il a trollé avec Nano. T'as entendu ton père comment il te parle, en vrai, les gars? En vrai, vous vous rendez même pas compte comment ils se parlent in game les oh deux. Oh là là. Ils oublient qu'ils sont père et fils. C'est une horreur. C'est une horreur. Je pense qu'ils attendent. Hein, on va vas-y, drone voir. Il y a deux Capcan top colimaçon. Ou sinon, tu prends par visa. Ping, salle de bain, Capcan. Capcan au top, hein, les gars, sur ping. SK jaune, Valky. Oh là là. Putain, j'ai peur là. Oh, mais vas-y, mais je suis tellement débile quoi. Oh, il y a une petite. Fais gaffe, il y a une mira sur la gauche. Hein. Il était où, Nano, le mec qui t'a fini en dessous? Valky qui a remonté SK jaune, les gars. Franchement, j'ai aucune idée. Ouais, putain, je... SK jaune. Allez. Son dos. Elle est redescendue, la Valky. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh putain, c'est une horreur d'agent, sérieux. Bah, tu vois que c'est bien. Bah, ici. Sur ping 4, il y a un mec. C'est, oh. C'est Fenrir, je crois. Oh, ce qu'il a pris. Mira, juste devant ce Mira, pas derrière, bizarrement. Bon, les gars, on fait de la merde. Moi, le premier. On est vraiment pas bien ici. Je vais tenter un truc. La petite moins 3 qui fait plaisir. Ils sont out, civil. S'il y a ma femme sur le live, on va éviter. Ah d'accord, pardon. C'est qui, c'est ah, toutes les femmes, c'est... Ouais, Cynthia, 28-12. Cynthia, elle a un prime et elle le claque pas là. Cynthia, le prime, en fait, c'est moi qui lui carotte. Et tu vas chez qui? Mais je vais nulle part, oh là là. Tu payes non. Ton truc chez qui? Chez Amourante, c'est pour ça que tu veux pas le dire. Qui c'est, c'te... Mais voilà, oui, et puis je suis Amourante. Oui, personne ne sait. Personne sait qui je c'est. Je sais pas qui hein c'est, Amourante. Bah oui, bien sûr. Je vais me faire défoncer avec vos conneries. Et donc, tu le claques chez qui, ton prime? Oh, moi, j'ai mon prime à moi, avec Zago R6, et elle a son prime. Et donc, tu viens de dire que tu lui carottais son prime? Mais non, c'est pas vrai, je déconnais, c'était pour te faire chier, ça. Et j'y arrive pas. Et donc, Cynthia, tu le payes chez qui, ton prime? Regarde qui comme streamer? Je ne sais même pas, je t'avoue. Elle devrait venir sur le Discord parler un peu de Zago. Non. Non, laissez-la. Mais gentil en plus. Moi okay. Aussi, je suis gentil, hein. Non, t'inquiète pas. Dépasse. Pourquoi ce setup? Pourquoi renforcer cette trappe là, etc. machin? Et la question qui va arriver derrière, c'est est-ce que tu te poses la question de pourquoi avant que tu fasses un truc ou tu le fais un peu, j'ai envie de dire, parfois bêtement? Par exemple, les 4 murs que j'ai renfaux sur site? Pourquoi pas se laisser celui qui est le plus à droite pour avoir une ligne vers le luggage? Souvent, quand je faisais des games au Hello, en tout cas au début, là, je laissais souvent les mecs renfaux et faire les rotas pour me dire ok, c'est comme ça qu'on fait. Là, pour le coup, genre j'ai renfaux les 4 murs en mode bah voilà, ça, c'est juste pour défendre quoi. Genre, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui va le faire, je vais renfouler les cartes. Tu vois, là, après la barricade que j'ai mis sur la double fenêtre, je l'ai mis parce que souvent il y a des mecs qui dorment sur le toit et qui attendent des gens qui sortent VIP ou. Non, mais tout est 90. Bon. Okay. Ok. Mais voilà. Déjà, si tu veux aller chercher le haut du panier, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as beaucoup de retard si t'as envie de te mettre dans la compétition à l'heure actuelle. Ouais, je sais. Ok. La compète, la probabilité que toi tu rentres en T1 en e-sport, tu peux la mettre à. Moins de 1%. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que ça reste compliqué. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des gens qui sont en place depuis pas mal de temps. Donc chacune de tes games, si t'as vraiment envie de level up et en particulier de rattraper ce retard, il faut que tu sois toujours dans une logique de pourquoi je fais ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que je renforce là? Et à chaque fois que tu vas mourir, il faudra se poser la même question, tu vois. Et le meilleur des trucs, autrement, plutôt que de se laisser driver par la méta du moment, c'est quand même d'aller voir des joueurs pros et juste de pomper, quoi. Juste de copier.